Entre juillet et août, Notre-Dame de la Garde doit recevoir 400 000 personnes. Le téléphérique, ça me plairait. Sauf que j'ai demandé qu'on le fasse partir que d'un côté du port, c'est-à-dire au pied du fort d'Entrecasteaux, au bassin du carénage. Pourquoi ? Je n'ai jamais été favorable à ce qu'on enjambe le vieux port. Je ne veux pas qu'on touche à la carte postale du vieux port. L'Église, elle, sa première réaction, c'est de dire « Nous, ce qu'on veut, c'est des chrétiens, pas tellement des touristes. » Et nous, nous développons les touristes, bien entendu. Mais depuis, je pense que j'ai obtenu un accord de ce côté-là. J'espère que les bâtiments, l'architecte des bâtiments de France ou autres, ne me compliqueront pas trop la vie.